205 South Secret Boulevard dans Boynton Beach. Et nous arrivé dans le moment côté nous pral célébrer 21e anniversaire l'église de Dieu Nouvelle Jérusalem. 21 années. C'est en pile, hein? Et nous en pile. Moment. C'est un moment de joie et c'est un moment de tristesse. Et nous déjà connaissons déjà pour qui samedi moment de joie et de tristesse. Parce que 21 années, c'est en pile, c'est beaucoup. Mais nous en pile bagaille tout. En pile, non, ouais. Et nous avons dit, Dieu est qu'un nous. Dieu est qu'un nous. Et de fait, maintenant, nous allons parler maintenant de dépression spirituelle. Dépression spirituelle. On a fait lecture de la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 42. Psaume chapitre 42. Du verset 1er jusqu'au verset 2. Mais nous sommes sûrs que le message là va englober tout le chapitre. On dit que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je, verset 3, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Avec nous, Seigneur. Aidez-nous maintenant pour nous comprendre la parole. Aidez-nous pour nous vivre la parole, là, Seigneur. Car il est bon Dieu pour nous prêcher en l'évangile pratique. Yon l'évangile au sans grâce. Yon l'évangile pour nous sauver. Chaque fois, nous demandons avec nous, pas quitter le Seigneur. Béni. Chaque monde qui attend, matin, nous demandons que le Saint-Esprit va couvrir et va aider yon à comprendre la parole ça et à mettre en pratique. Afin que nous soyons capables prêts pour l'avancement de ton règne. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole et la vérité. Pour nous de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, dès à présent et éternellement. Amen. Maintenant, je voulais parler de dépression spirituelle. Et il y a une série de thèmes que le plus souvent on entendait utiliser. Et tout thème ça, il est englobé dans la dépression. Ce n'est pas étonnant d'entendre, soit à la radio ou à la télévision, encore sur les réseaux sociaux, vous parlez de inflation. Vous entendez parler de inflation. Inflation, qui ça inflation? Inflation, c'est l'air. Les gains prix. Produit cap grimper monter. Vous parlez d'inflation. Et à part d'inflation, nous entendez tout. Ça veut dire que les gains inflation, certainement. Il y a une dépression. Pour qui ça a une dépression? Parce que il y a des gens qui attaquent de manière mentale et même de manière physique. Parce que dans l'inflation, les produits nécessitent de monter, tout le bagage monte, les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas produire rien, ils ne peuvent pas voir petite l'école, ils ne peuvent pas foncer des bagages, ça attaque de manière mentale. Et nous jouons une récession, tout
qui c'est l'air économie à descendre. On parle de récession. Et là encore, les économies, les qu'on y a inflation, gain récession, ça veut dire que les économies a dégradé, ça agit sous environnement et ça agit tout sous l'humanité. Et elle agit sous l'humanité, qu'on y a encore à la base de la dépression. Ça, c'est au niveau soit de l'économie, soit au niveau du commerce, etc. Mais au niveau spirituel, n'allez plus loin. Nous jouons que dépression qui s'allie. Les hommes sont malades. Les hommes sont malades. Maladie a crasé. Et peut-être, résultat, docteur Baela, il agit dans le mental, il agit dans l'esprit, il est capable de vivre même les maladies. Ce n'est pas lui-même qui t'a tué, mais dépression tué. C'est dépression. Ça fait partie de dépression spirituelle. Mais, il y a l'autre côté, elle prend plus mal toujours. C'est là où joigne. Il y a une dépression qui vient sur le plan religieux. Et comme elle vient sur le plan religieux, dépression spirituelle là, il vient sur le plan religieux, c'est là où joigne un ennemi oppresseur. Attendez, on dit un ennemi oppresseur qui mettait pied sous cou en tant qu'oppressé. Attendez, on parle d'oppresseur, on parle d'oppressé. Qui mette pied sous cou, qui permet qu'on ne pas bouger. Et là, on ne pas bouger, qu'on ne peut pas faire un et encore. Mais là, on songe. Jean, où est-ce qu'on a vivre? Attendez. Où songe, Jean, où est-ce qu'on a vivre? Ou songe genre activité ou te kon mené yo, mais l'on ou pas ka mené yo encore koun yo vin subi yon dépression. Non seulement vin gen dépression mentale, mais vin gen dépression spirituelle. Oh, c'est ça m'pral fowe la matin, hein? Côté l'église en général a subi yon dépression spirituelle. Yon subi yon dépression spirituelle parce que tout simplement, gen de côté ou te kon à l'église. Ou t'es un rendez-vous spirituel, ou t'es un rendez-vous l'église, qui pendant quelques mois, ou pas qu'à faire encore. Et même l'enfer, ou pas sans sous une peau. Parce que des gens l'ont rencontré ensemble avec eux, ou senti son accolade pour t'abayer pour confronter eux. Ou senti son accolade pour t'abayer pour chauffer eux. Parce que les yon ensemble avec l'autre contrée, ils ont fait du feu. Mais à cause de pandémie qui gagne, chaque monde campé à 6 pas de distance. 6 pas de distance là qui ça le fait, li fait ou subit une dépression. Ou subit une dépression. Et dans la dépression, ça qu'on subit, dans la dépression, ça qu'on vive là, les cas agissent sous mentalité, les cas agissent sous permettre que ou abdi, qui le m'a capable de rencontrer ensemble avec
le Dieu vivant. Regardez ça me dit. Il dit qu'il est. Oh, besoin de rencontrer avec le Dieu vivant. Besoin de rencontrer ensemble avec mes frères et sœurs. Besoin d'adorer ensemble avec eux. Parce que je me sens que je manque de bagaille. Ça vient une sorte de dépression. Non, le psaume 42, côté de nos sortes là, dans tout psaume, il y a des gens qui disent que l'assemblée ensemble avec un psaume de David. Le David t'a couru devant Absalom, son fils. Le David arrive au côté, David sentit le bouquet, il est fatigué. Oh, il soif, il dit, dame, il soif. Mais, il est allé plus loin dans la tête, chapitre 42, hein, qui ça, il dit que c'est un psaume des fils de Corée. Est-ce que là? Il a dit que c'est un psaume des fils de Corée. Psaume des fils de Corée. Première bagaille que nous avons besoin qu'on ait. Nous allons connaître. Si c'est un psaume des fils de Corée, pour qui ça, psaume-là, l'écrit. Et chaque psaume où est écrit, l'église, il y a une tendance d'elle, l'église, il y a une raison qui fait psaume écrit, et ça a exprimé dans psaume, non? C'est ça qui a sorti en dedans. Ça veut dire que les fils de Corée, ils ont s'extériorisé. Ça qui sort en dedans, ça a senti, ça a vivre dans le moment. Et ce n'est pas étonnant. Et ce n'est pas étranger. Vous pouvez aller en dedans texte là. Sans où les fils de Corée t'a vivre là, c'est lui-même, à l'heure actuelle, les chrétiens à vivre. Premier bagage qui vient de arriver, qui est-ce les fils de Corée? Les fils de Corée, c'est un groupe musicien, un groupe d'adorateurs, un groupe de chorale, un groupe de chœur qui composait des chansons. Attendez, ça me dit. Qui composait des chansons qui a chanté dans la cour royale. C'est un groupe de chorale qui composait des chansons qui a chanté. Mais, selon 2 Chroniques chapitre 12, le verset 14. Non, selon 2 Chroniques chapitre 20, pardon. Selon 2 Chroniques chapitre 20, commençant du verset 19. 2 Chroniques chapitre 20, du verset 19. Je veux que les fils de Corée, qui s'est fait, ils ont composé des chansons. Et ils ont composé des chansons. Je vais vous dire, c'est ça que fait. Actuellement, puisque nous avons prêché l'évangile réel, les vrais chrétiens. Pas faire folie pour n'importe monde qui a composé musique kounia. Les vrais chrétiens. Vous comprenez pour qui ça? Parce que monde qui a composé musique kounia, vous entendez un peu le monde dire c'est psalmiste. Un peu le monde dire c'est psalmiste. Mais psalmiste. Qui ça vous fait? Ce sont des gens qui ont composé des chansons. Ils ont ces psalmistes, mais ils n'ont pas composé des chansons. Et si on compose des chansons, les chansons n'ont pas de rapport ensemble avec le christianisme. Pas grand rien de chrétien dans la chanson. Mais ils ont aussi psalmistes. Parce que si vous êtes psalmiste, soit composé, chanter, faut composer, chanter côté moun béni et faut exprimer les sentiments des chrétiens. C'est ça nous besoin. Ça que fait. Le chapapé, je vais me faire réclamer,
Même remet le char remi. Parce que les map chanter, chanter l'inspiré béni. Parce que c'est pas un monde que me connaît, c'est pas un monde que me fait rencontre avec elle. Me faire rencontre avec elle, elle a concert pour nous bien entendu, mais c'est pas un monde que me chita parler avec elle, mais les map tendez chanson yo, moi senti me béni. Et c'est ça, longtemps, les attendaient Radio Lumière à 3h de l'après-midi dans la musique. L'attendaient Radio Lumière, ou sont tout béni, avec petite trompette, avec symphonie angélique. Vous attendez des chansons que vous composez pour faire mon béni. Mais qu'on y a tout mon psalmiste dans le champ d'espérance. Chant d'espérance. Ou encore, si vous n'avez pas de psalmiste dans le champ d'espérance, vous créez un événement. Vous créez un événement et puis vous dites, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci là-bas, et puis vous avez chanté pour ça. Alors, vous créez un événement. Parce que, très prochainement, vous avez pourtant quelques messages sur 10 ça, bon Dieu, d'où vous l'avez dit. Vous avez pourtant ça, 10 ça, bon Dieu, d'où vous dit. Pas faire ça, bon Dieu, pas mettre pour faire. Oh, les fils de Corée, ils ont composé chansons dans un événement, dans un moment bien particulier. Ils ont composé somnant. Et qui raison que fait composer somnant? Pour bien comprendre la raison que fait ils composé somnant, il faut aller dans 2 Chroniques chapitre 12. Et même avant, même 2 Chroniques chapitre 11. Lors de 2 Chroniques chapitre 11, qui sont où est la donne? Où est que Dieu révoquer Salomon comme moi. Et pendant qu'elle révoquait Salomon comme moi, royaume non, ou encore Israël divisé entre le royaume du nord et le royaume du sud. Et pendant royaume non divisé, il y a Jéroboam qui est dans le royaume du nord. Et les gens qui sont dans le royaume du sud. Mais les gens 10 tribus qui déplaçaient quand ensemble avec Jéroboam. Deux Chroniques chapitre 12. Commençant du verset 14. Les gens 2 tribus qui a joué Jéroboam. Tribu de Juda et tribu de Benjamin. Mais les autres tribus, ils allaient à joindre Jéroboam. Et ils arrivaient à joindre Jéroboam. Mais avant même que Dieu parle ensemble avec Jéroboam, il dit Jéroboam, qui t'aime jouer un bagaille? Pas fait, ça va pas te faire. Parce que Salomon, oh, t'es arrivé dans un moment. Salomon arrivé dans un moment. Quand Salomon abandonné la voix de Dieu, quand Salomon rejeté le Dieu vivant, là, premièrement, là, le mari ensemble avec les femmes étrangères. Quand Dieu a dit Salomon, attention, vous mari doit prendre les femmes étrangères. Là, après les femmes étrangères. Et non seulement là, après les femmes étrangères, Salomon arrivait, il tombait dans l'idolâtrie. Il a adoré les faux dieux. Dès que vous tombez dans l'étape, ça, Dieu déjà quitté. Vous ne pouvez pas Dieu vivant observer et puis il a fini pour adorer faux dieux. Parce que Dieu n'est pas mélangé. Le Dieu vivant n'est pas mélangé. Si vous observez mon Dieu, observez mon Dieu. Il y avait honte des fois, elle me dit, oh, pasteur, tel maçon, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire, Dieu vivant, je vais servir, et puis il a fini pour me dire, maçon qui ça? Maçon qui ça? Je vais puissance moi-même, Dieu vivant avec. Si je Dieu vivant avec, je vais pas chercher l'autre bagage et mettre avec elle. Je ne vais pas chercher.
Alors, je comprends ça qui est. En pile pasteur, d'ailleurs, il y a presque pas de pasteur, tout qu'on y a. C'est docteur qui est. Il y a plus docteur que pasteur. Il y a plus docteur que pasteur. Il y a tout doux. En moi-même, c'est docteur mien. Docteur. Docteur. Sac du ya. Sac du ya, c'est que tout docteur yo, blie yon bagay. Youn baka entendre l'autre. Youn baka entendre l'autre. Alors que, le mal le primaire docteur, ou rive, ou gen l'autre problème, li voua joun au spécialiste. Ça veut dire que yon relation entre yon. Yon yon coordination entre yon. Mais dans l'église, pas gen sa rele coordination. C'est ça qui fait ouais, l'évangile a déplimé comme ça. L'évangile a déplimé. L'évangile a déplimé parce que pasteur pas qu'à entendre ensemble avec pasteur. Leader pas entendre à leader. L'évangile a déplimé. Et qu'on y a, pendant l'évangile a déplimé comme ça, et puis Satan même a foué pied. Satan foué pied. Et puis l'évangile a fini parce que, à cause des leaders. À cause des leaders. À cause des leaders. Jéroboam, il y a 10 tribunes amen. Jéroboam, il y a 2 tribunes amen. Mais là, on déplacé, on allait. Il est arrivé. Là, on est arrivé. Jéroboam connaît que les Israélites ou encore les Juifs ou encore les gens de tribus de Jacob qui s'arrêtent, c'est des adorateurs. Et qui ça? Jéroboam fait, Jéroboam bâti 2 centres d'adoration. Youn à Bethel, youn à Dan. Il bâti ces 2 centres d'adoration. Et 2 centres d'adoration, ça qu'elle bâti. Il fait sûr qu'elle fait 2 veaux d'or, il met là dedans. Il fait 2 veaux d'or, il met là dedans. Il fait 2 images taillées, 2 veaux. Des bœufs en or, des petits bœufs en or, les mettent dans chaque. Et puis il dit comme ça que, oh! Mais, ça mettait pour nous adorer, parce que je ne voulais nous monter encore à Jérusalem pour nous adorer. Il dit, mais ça me bat pour nous adorer. Parce que je ne voulais nous monter encore à Jérusalem pour nous adorer. Si nous adorons à Jérusalem, ou au bois, tout qui dans l'autre bois. C'est plein de miens, ça, oui. Il ferme l'église parce qu'il connaît s'il quitte la caille. Il y a possibilité pour joindre nous. C'est ça le besoin de faire. C'est ça qui fait une dépression spirituelle. Une dépression, tout le monde dépressé. Dépression spirituelle. Tout le monde dépressé. Il dit, nous songeons là, nous avons sorti en Égypte. C'est Dieu ça qui t'a délivré, non? Ça le dit, abomination. Quelle abomination? Dis nous songez l'un d'absolu. Pour qui ça? Parce que nous songez, dans Exode chapitre 32, je crois, les Moïse montait à Sinaï, là il parlait ensemble avec le Dieu vivant. L'équité Aaron en bas ensemble avec le peuple là. Peuple là, bail Aaron pression. Car toute pression produit dépression. Il n'y a pas de pression. Nous avons besoin d'adorer, mais nous, Moïse, la moutée, le batoune, pas nos bagages pour nous adorer. Et puis, Aaron, le grand prêtre, le premier prêtre,
Ils ont fait les veaux d'or et confectionné veaux d'or par eux pour adorer. Les mots, ils sont débrouillés. Moïse dit non, ça pas voir mon bon Dieu. Ça, c'est scandale. Ça, c'est scandale. Ça fait conseil de musique, quoi, tant de kounia. C'est pas musique pour Dieu, c'est vrai. Parce que m'a dit pour qui ça? Les petites trompettes, les symphonies angéliques, que m'a dit qu'on attendait chaque 3 heures. Ou encore que m'a dit qu'on attendait chaque matin, à 7 heures du matin, avec Frère Loulou, dans Radio 4VH. Ça y est! Ces musiques, c'est campé derrière qui a joué musique évangélique. Mais c'est pas si dit que fait ensemble avec musique jazz la donne. Quand on joue un nom dans Chita, il cherche une musique qui a un rapport ensemble avec musique, ensemble avec moun qui a composé, chanté, moun qui a chanté, chanté, parce qu'il n'a pas composé. Moun qui a chanté, chanté, et puis même côté, il a dit oui, il y a un CD pour vendre, il y a un bar évangélique, il y a un ceci, mais il n'y a pas évangélique parce que les musiques ne sont pas des musiques sanctifié. Yo pas inspiré par le Saint-Esprit. Yo pas composé. Et c'est ça qui arrive dans le bruit ça qu'a fait la Moïse dit, ça me donne de elle pas sanctifié. Ça me donne de là, c'est pas la voix de Dieu qui a parlé. C'est pas la voix de Dieu qui a parlé. Oh! Eh bien, Jéhovah me dit, même fait ça, c'est lui-même pour nous adorer. Mais c'est là qu'on y est. Nous jouons les fils de Corée. C'est là qu'on y a, nous jouons les fils de Corée. Qui pourra le composer, chanter ça. Qui pourra le composer, somme ça. Qui pourra le dire. Oh, même j'ai un bête. Envie boire de l'eau la rivière. Même j'ai un bête envie boire de l'eau la rivière. C'est comme ça moi envie ouais bon Dieu. Et puis il dit bon Dieu vivant. Il dit même j'ai un bête envie boire de l'eau la rivière. Attendez oui, yo situé yo ki bo. Dans le royaume du nord, yo pas qu'à monter à Jérusalem pour l'adorer parce que tout simplement Jéhovah me séquestré en côté là pour adorer. Dieu pour adorer idole. Il a dit moi senti nan, moi même j'ai un bête envie boire de l'eau la rivière. Attendez. Ça veut dire que même j'ai un bête là envie boire de l'eau, c'est comme ça me donne même monter tout mal adoré. Même j'ai un bête envie boire de l'eau la rivière, c'est comme ça moi-même. Moi envie ouais bon Dieu. Et dans verset 2, il dit c'est parti envie, mon envie ouais bon Dieu, non? C'est parti en vie, mon vie, ouais, bon Dieu, non? Et là, il finit. Cette plus belle là, de manière juxtaposée. Il dit, bon Dieu vivant. Bien, mon Dieu. Mais que bon Dieu vivant. Bon Dieu, j'ai au moins, non, c'est Dieu. Mais mon Dieu, les fils de Corée, les vrais adorateurs, mon qui soif là, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. Je dis, mon âme a soif du Dieu vivant. Elle a le plus loin. Je dis, la journée qu'on a nuit, m'a crié. La journée qu'on a nuit, j'ai crié. Il a crié tout simplement parce que côté eux, c'est ma place. Côté eux, mettez eux, c'est ma place. Côté eux, trouvez eux, c'est ma place. Côté eux, c'est pas là où tu as supposé. Dans la nuit, tant que la journée, de l'eau sorti dans les yeux. Il y a eu amertume. Et je dis, c'est de l'eau qui sert de manger. C'est de l'eau que servit au manger. Et ça drôle là, c'est que l'air a crié. Attendez. L'air a crié.
Moun yo di, kote bon Dieu ou la. C'est ça diable a fait. L'a moqué ou? L'a moqué ou? L'a dit au kote bon Dieu, ou a crié comme ça, kote bon Dieu ou la. Mais ou pas qu'on est. Ça a passé dans le danon. Ça a passé dans le danon. Et on dit, que vous avez fait, les avez changé les bagailles tant longtemps. Moi, je suis marché ensemble avec un full monde qui était dans la caille de bon Dieu. Pas de dépression, hein? Je suis en gros dépression. Je dis, je senti côté de quand vous séquestré, quand vous n'avez pas sorti, quand vous avez fun. Combien de gens matin qui vivent dans le même moment ça? Combien de gens matin qui sont dans genre de tristesse ça? Genre de subi genre de dépression ça? C'est ça lié. Ils ont dépression. Je dis, songez. Oh, les ap monté à Jérusalem, non foul moun nan, te kon foul moun k ap monté. Les pèlerins ap monté, y ap chanté. Et yo chanté à haute voix. Y ap chanté à haute voix. Y ap monté la caille bon Dieu. Mais jodi a yo pa kapab. Jodi a nou pa kapab. De gon dépression spirituelle. Moi mwen sa m'avòr nan moment n ap viv yon dépression spirituelle. Nou anvi wè bon Dieu. Nou anvi rencontre ensemble. Nou anvi wè foul moun nan, mais nou pa kapab. À cause de l'ennemi invisible. Que non, ouais. Donc, on vient à la caille, bon Dieu. Et, il dit comme ça que ma femme l'aime songer, bagaille longtemps. Moi dès qu'on marchait ensemble avec tout foule monde qui était qu'on a la caille bon Dieu. Moi j'étais qu'on fait fête. Yo t'ai qu'on chanter. Yo t'a dit bon Dieu merci. Moi parler avec tête moi dit pour qui ça un cagou comme ça. Pas la tête moi. Moi il est tombé dans réflexion, il dit mais pour qui ça? J'aime un cagou comme ça. Senti un cagou. Ça c'est leur soif bon Dieu tout bon vrai. Ça c'est leur soif, bon Dieu, tout bon vrai. Quel monde qui soif, bon Dieu? Quel monde qui connaît le soif, bon Dieu? Avant d'aller quitter une bonne illustration, il y a un papa qui a un petit garçon. Un petit garçon. À l'âge de Isaiah. Et puis. Et puis, il est à soir, chaque soir, c'est lui qui a mis petite là, couché dans la chambre. Et puis, là, il a mis le couché dans la chambre. 10 minutes. Petite là, le petite là dit, papa, viens en petit de l'eau pour moi. Papa a dit, petite, moi, avant t'as dormi, avant de mettre au coucher, ou qu'on ait soif de l'eau, c'est pour te prendre de l'eau. Cinq minutes après, elle dit, papa, pas de l'eau pour moi. Papa a dit, je ne sais pas comment comme ça, avant de dormir, ou tu qu'on a besoin de l'eau, c'est pour te prendre de l'eau. Cinq minutes après, elle dit, papa, et pas papa de l'eau pour moi. Papa a dit, sourez-le encore. Ou mandez-moi de l'eau. M'a vin batou. Il était le coucher. 5 minutes encore, il dit, papa. Papa a dit, qui ça, petit moi? Il dit, l'eau vin batou, moi vin à de l'eau pour moi. L'eau vin batou, moi vin à de l'eau pour moi. Parce que sans il soif, il a besoin de l'eau. Il dit, je n'ai pas de problème, je prends battre, mais il faut besoin de l'eau. L'eau vient battre moi, vient de l'eau pour moi.
Ça veut dire que il y a des soifs. On va parler de soif physique matin. On va parler de soif physique. Ou alors soif ou qu'on a besoin de l'eau, sans tout déshydrater, ou besoin de l'eau. Ou pas qu'à supporter, ou besoin de l'eau. Et matin, on voulait parler d'une soif spirituelle. Moi, soif, ou soif, li soif, nous soif. Je n'ai pas besoin qu'on ait qui mounouye, je n'ai pas besoin qu'on ait qui kotoye matin. D'une manière ou d'une autre, ou soif. D'une manière ou d'une autre, moins soif. D'une manière ou d'une autre, li soif. Quand on couche à l'hôpital là, là, ou soif. Quand on couche à la caïwa, ou soif. Quand on couche, t'es couché des marouillères, ou t'es soif. Parce que Maria, gon bagay que le tour, ou a ruminé le chaque jour, li faut soif. Mais qui te m'son bagay, zanmim, frèm, sèm. Soif physique là qu'a passé. Soif spirituel là c'est celle Dieu qu'a passé. Amen. Soif spirituel là c'est celle Dieu qu'a passé. Parce que yo t'ai côté yo t'ai. Yo fait Dieu vaut d'or ba yo pour adorer. Mais on songe. Dieu dit pas qu'il doit gagner l'autre Dieu devant ma face. Ou pas qu'il doit adorer l'autre Dieu. Yo dit songe. Les a monté à Jérusalem pour aller adorer le Dieu vivant. Et mon Dieu bénit nous matin. Quel gâteau matin, quel prend soin matin, quel fait soif fois passé matin. Son seul monde qui a fait soif fois passé, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu d'éternité en éternité. Dieu. Que mon Dieu bénit nous. Quel gâteau, quel prend soin matin. Amen.